Nous sommes ici à Lambaréné, déjà sur une mission conjointe. FAO, Coordination nationale de l'agriculture, Direction nationale de l'agriculture et Commission nationale des TP. Depuis pratiquement 2 mois, nous avons lancé les opérations de collecte. Il était important que le partenaire technique qu'est la FAO vienne, n'est-ce pas, évaluer le travail qui a déjà été fait ou qui se fait sur le terrain. Donc nous sommes ici dans la province du Moyen-Ogoué et nous venons de visiter 2 secteurs de dénombrement. Ces visites-là montrent effectivement que la couverture de l'ensemble de ces ménages-là est assez bonne. Je crois que nous sommes autour de 98-99% de couverture. C'est dans le 4. L'endroit qu'on voit en blanc, là, ça doit être à l'entrée de l'eau. Maintenant, ça c'est où? L'île est où, c'est ça? Non, l'île c'est ça. Non, ici sur la carte. Sur la carte, nous sommes ici. Nous sommes aujourd'hui dans le quartier Atié pour vérifier la numérotation et boucler les SD dénombrés et non dénombrés. Notre activité du recensement agricole au Moyen-Ogoué a consisté à identifier d'abord des agents en faisant des entretiens, des agents recenseurs. Après, nous avons fait la formation des agents recenseurs. Et après la formation, nous sommes maintenant sur la phase de dénombrement sur le terrain. Voilà. Cette phase comporte plusieurs étapes, le dénombrement proprement dit, une phase de collecte dans les ménages agricoles. Nous sommes déjà, le dénombrement est terminé à 100% dans les communes de Lambaréné et Ndjolé. Le travail consiste maintenant à administrer le questionnaire sur les ménages agricoles et aller dans les cantons. La population adhère, sauf que bon, la sensibilisation, ils auraient préféré une sensibilisation de proximité, mais sinon ils comprennent l'intérêt de l'opération.